Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Enfin bon, là j'ai à gérer des choses qui sont nullement intéressantes. Je m'en serais bien passé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On m'a déjà traité de nazi, d'antisémite, d'islamiste, de juif, de sceptique, d'ésotéricien sceptique, de sioniste, de Tarek Ramadan, d'homosexuels, de pédophiles, de femelles, de sidaïques, de quoi d'autre? De prostituées de la cause écocidaire, grouilleux de la pétrochimie ZZZ, de francs-maçons, d'occultistes cherchant à remonter l'histoire de ce courant pour en obtenir le pouvoir magique, alors ça là, elle est bonne, de satanistes, de féministes, de sales arabes, d'antiféministes, de terroristes, de communistes, de musulmans, bref, et j'en passe et des meilleurs. Et ce, en raison des constats que je pose et des arguments, bah, ma foi, qu'il est valide. Hein. Certains le font directement, d'autres en sous-marin, dans l'objectif de me canceller selon le jargon actuel. Voilà, bah, je me suis fait une raison, ça arrivera tant que Shadow Ombre existera, ces insultes, qui d'ailleurs pour certaines, évidemment, n'en sont pas. Mais parfois, quand même, j'avoue vraiment être surpris de qui les profère. Je retiens une chose de cette expérience, c'est que mes constats restent, que les insultes passent, et ceux qui les profèrent ne sont plus ni entendus, ni respectés par personne. Mais, ma foi, la malhonnêteté perd toujours. Cependant, je voudrais remercier ceux qui profèrent insultes et diffamation à mon égard. Il me prouve, quand le doute m'assaille, on peut dire que je suis sceptique dans le sens le plus commun. Donc, il me prouve que j'ai vu juste et que mes propos portent loin. Je remercie aussi ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là quasi quotidiennement, ceux qui me proposent des critiques constructives et bienveillantes, qui m'écrivent de longs mails pour me parler de leurs problèmes liés au milieu des néo-spiritualités, ceux qui me félicitent pour mon travail, ceux qui le partagent et essaient de le faire connaître, ceux qui soutiennent contre les agressions et diffamations, etc., etc. Bref, merci à vous tous, du fond du cœur, et à bientôt, très bientôt.